Comment utiliser Microsoft OneDrive? Alors, qu'est-ce que OneDrive? C'est un espace de stockage en ligne où vous pourrez déposer tous vos documents, fichiers son, vidéos et bien d'autres. Le but, c'est de pouvoir les retrouver et les réutiliser où vous le désirez et quand vous le désirez, que ce soit sur votre PC, téléphone, tablette ou autre. Et comme la sauvegarde se fait en ligne, c'est sécurisé. Et oui, je vous montre tout cela. Alors, pour accéder à OneDrive, allez dans le navigateur Internet et tapez onedrive.com. Voilà. Alors, plusieurs façons de l'utiliser, donc soit en ligne, soit via une application sur l'ordinateur, ou bien éventuellement en passant directement par Microsoft Office, je vous montrerai tout cela. Alors ici, pour pouvoir utiliser OneDrive, vous devez avoir un compte. Si vous avez déjà un compte Microsoft, par exemple, vous pourrez directement vous connecter avec. Si pas, inscrivez-vous gratuitement. Voilà. Et là, vous pouvez soit taper une adresse email personnelle, pas forcément un compte Microsoft, ou éventuellement créer un nouveau compte Microsoft en passant par obtenir une nouvelle adresse email. Donc allez-y, vous devrez créer évidemment un mot de passe et avoir ce compte. Et quand c'est fait, alors vous pourrez vous connecter. Alors voici comment se présente l'interface de OneDrive quand on est connecté. Ici, j'ai déjà divers dossiers vu que je l'utilise déjà. Vous n'en aurez peut-être aucun ou juste quelques-uns au départ. Et vous pouvez déposer là-dedans tout ce que vous désirez. Donc là, dans mon espace OneDrive, je peux très bien charger un fichier qui se trouve sur mon ordinateur. C'est ce que je vais faire en cliquant sur « Charger »,« Fichier ». Et là, je prends par exemple voilà, le document « Coucou ». Je double-clique et quelques secondes après, il est déjà sur mon OneDrive. Et ça veut donc dire que maintenant, si je retourne sur le OneDrive, par exemple via l'application de téléphone, je vais récupérer mon coucou. Si je me connecte à un autre endroit via une autre machine sur mon OneDrive, je vais récupérer également tout cela. Tout sera synchronisé. Voilà l'avantage. Alors, je peux charger autre chose que des fichiers, car j'ai aussi la possibilité de charger des dossiers complets. Si par exemple vous avez un dossier qui contient 500 fichiers, c'est tout à fait possible de le mettre dessus. Si vous l'utilisez en version gratuite, vous avez 5 Go de stockage. Si vous l'utilisez via un compte payant ou si vous avez Microsoft Office 365 activé, vous avez beaucoup plus d'espace encore. Alors si vous voulez organiser votre OneDrive, vous pouvez aussi créer des dossiers. Par exemple, je vais sur Nouveau, je clique sur Dossier, et là je peux créer un dossier que je vais appeler par exemple Test 1. Voilà, je le crée. Et je peux par exemple mettre mon document coucou à l'intérieur. Je le prends, je laisse enfoncer, je le dépose dans Test 1. Et voilà, il est dedans, la preuve, il est bien là. Vous voyez, fichier Test 1, mon coucou est bien là. Donc c'est très facile à organiser comme des dossiers normaux sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi créer rapidement des documents Word, Excel, PowerPoint et d'autres directement en ligne dans OneDrive si nécessaire. Et alors, petit raccourci pour insérer facilement des fichiers dans votre OneDrive sans forcément passer par le bouton charger. Je réduis un peu ma fenêtre. J'en ouvre une autre qui contient mon fichier. Et regardez ce que je vais faire. Je vais prendre mon fichier, laisser le bouton de la souris enfoncé et le déposer dans mon OneDrive, soit directement dans un dossier existant, soit à un autre endroit vide. Voilà, je le dépose et regardez, mon coucou est bien là. Alors regardez, si je pointe sur l'un des éléments, j'ai quelques petits boutons qui apparaissent. J'ai le bouton de partage pour le partager avec une autre personne, pourquoi pas. Mais j'ai aussi les trois petits points ici. Et là, j'ai plein d'options. Je peux par exemple cliquer sur aperçu pour avoir un aperçu rapide du document en ligne. Pourquoi pas à nouveau le partager avec une autre personne. Copier le lien. Alors, gérer l'accès est très intéressant car cela permet à d'autres personnes d'accéder à votre fichier, mais vous pouvez limiter l'accès. En clair, si par exemple je mets accès direct, voilà, je clique sur le petit plus, je peux entrer l'adresse email d'une personne ou son nom s'il est enregistré. Et regardez, je peux choisir entre peu modifier ou consultation possible. En clair, si je clique sur peu modifier, la personne pourra apporter des modifications à votre document et ces modifications seront automatiquement enregistrées sur votre document, sur votre OneDrive. Par contre, si je clique sur « Consultation possible », la personne pourra seulement lire le document, mais pas le modifier. Et si vous cochez « Avertir les utilisateurs », là où les personnes recevront un email les prévenant que vous avez partagé un fichier avec eux. Voilà, et ensuite vous devez confirmer avec « Accorder l'accès ». Et bien sûr, après, vous pouvez supprimer cet accès si vous le désirez aussi.
Donc ça, c'était pour gérer l'accès. Nous avons aussi téléchargé, ben voilà, pourquoi pas télécharger le document et l'ouvrir dans le logiciel. En clair, si vous cliquez directement sur le titre d'un document Word, il va s'ouvrir en ligne via le Word en ligne. Par contre, si vous cliquez sur télécharger, là, il va s'ouvrir via l'application de bureau qui est bien plus complète, évidemment. Nous pouvons bien sûr supprimer l'un des fichiers ou un dossier, le déplacer, le copier dans un autre endroit, le renommer et pourquoi pas aussi afficher l'historique des versions ou les détails du fichier si nécessaire pour voir par exemple qui a modifié le fichier si vous en avez laissé l'accès. Enfin, si vous avez déposé des fichiers sur votre OneDrive via un autre emplacement et que vous avez l'impression qu'il n'y s'y trouve pas, cliquez sur synchroniser, parfois cela peut prendre un peu de temps, c'est tout à fait normal, notamment pour les plus gros fichiers. Donc voilà pour la première façon d'utiliser OneDrive. Une deuxième façon d'utiliser OneDrive, c'est de le faire via l'application de bureau sur le PC en quelque sorte. Alors si vous avez téléchargé toute la suite Office 365, OneDrive est déjà présent sur votre ordinateur. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez ici cliquer sur téléchargement. Et là, vous pouvez le télécharger. Et quand c'est fait, ou si vous l'avez déjà sur votre PC, vous pouvez cliquer sur « Démarrer OneDrive ». Voilà, il me demande si je veux ouvrir l'application OneDrive. C'est parti. Et là, si ceci apparaît, entrez l'adresse email de votre compte créé ou éventuellement, créez un compte si ce n'est pas déjà fait. Tout est possible. Si c'est déjà fait, cliquez bien sur « Se connecter ensuite » avec votre mot de passe et ainsi OneDrive apparaîtra. Quand cela est fait, si vous ouvrez l'explorateur Windows, vous aurez normalement ici un lien OneDrive avec votre OneDrive. Si je clique dessus, je récupère exactement les mêmes dossiers que je viens de vous montrer. Si ce n'est pas le cas, allez dans la barre de recherche et tapez OneDrive, voilà, application. Je clique dessus et je récupère exactement le même dossier comme vous pouvez le voir. OneDrive, l'application du bureau, c'est un dossier, mais un dossier synchronisé en clair. Tout ce que je mettrai dans ce dossier sera automatiquement synchronisé dans mon OneDrive, ce qui est quand même vachement pratique. Je vous montre un exemple. Donc là, j'ai effectivement mon fichier coucou, qui est bien là en ligne, on le remarque. Eh bien, si dans mon dossier de bureau, je supprime coucou, voilà, je le supprime complètement, d'ici quelques secondes, sans que je ne touche à rien, c'est promis. Et bien voilà, coucou vient de disparaître. Si vous n'êtes pas convaincu, faisons le contraire. Je vais récupérer le fichier coucou qui est simplement sur mon ordinateur et je vais le placer dans mon dossier OneDrive synchronisé. Voilà, il y est. Et regardez, en ligne, après quelques secondes, sans que je ne touche à rien encore une fois, le fichier coucou apparaît. Et voilà, c'est synchronisé, je peux le retrouver partout, sur toutes mes applications OneDrive, PC, Mac, téléphone, tablette, etc. Et ainsi, chaque fois que vous travaillerez dans votre dossier OneDrive, tout sera enregistré en ligne, tout sera synchronisé. Si bien sûr vous êtes connecté à Internet, c'est une évidence. Mais c'est tout de même vachement pratique. Pourquoi ne pas créer un raccourci bureau de votre dossier OneDrive et ainsi, tout ce que vous mettrez dedans sera automatiquement synchronisé. Cela vous fera gagner un temps fou. Troisième façon d'utiliser OneDrive, c'est via Microsoft Office, que ce soit via un document Word, Excel, PowerPoint, Publisher ou autre. Voilà, donc j'ai un document Word. Hop, je veux l'enregistrer. Et si votre compte d'activation de Microsoft Office correspond à votre compte OneDrive, eh bien vous pourrez l'enregistrer directement dessus. Comment vérifier cela? Si vous cliquez sur votre nom en haut à droite, vous verrez avec quelle adresse email il est activé. Donc, en gros, fichier enregistré sous. Et si comme moi, vous avez ici OneDrive, le petit nuage avec votre adresse d'activation, eh bien vous voyez, vous avez ici tous les dossiers du OneDrive et vous pouvez directement enregistrer votre document dedans. Même chose si je veux ouvrir un document déjà enregistré. Voilà, j'ouvre mon Word, je vais ensuite dans « Ouvrir » mon dossier OneDrive. Voilà, je peux aller récupérer mes fichiers, mes dossiers si besoin, sans problème. Si jamais OneDrive n'apparaît pas dans votre Office, vous pouvez aller dans « Ajouter un emplacement », OneDrive normal ou OneDrive entreprise si vous utilisez un compte Microsoft Office via une entreprise, une école notamment. Si l'un ne fonctionne pas, utilisez l'autre tout simplement. Et ensuite, tapez l'adresse de votre compte et votre mot de passe et le lien sera fait si tout va bien. Donc voilà un aperçu général de OneDrive et de plusieurs façons de l'utiliser. Évidemment, il y a encore plein d'autres fonctionnalités, mais je vous ai montré le principal, le plus utilisé. Ce n'est évidemment pas le seul Drive qui existe, il y a Google Drive et bien d'autres encore, mais il est particulièrement pratique si vous utilisez déjà
la suite Office de Microsoft. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.